suis venu comme ça pour vous annoncer des choses et des belles choses. J'ai décidé, en compagnie de les équipes, de toutes les personnes qui m'accompagnent et qui décident avec moi. C'est-à-dire vous. Ah bon, il y en a. Vous et vous. Moi et mon téléphone. Mon reflet. Ouais. J'ai décidé de faire ce qu'on appelle une interro surprise. Oula. C'est flippant. Prenez une demi-feuille. C'est horrible. Je croyais que c'était... C'est un cauchemar. Nom, prénom, profession des parents. Le truc discriminatoire. Allez, j'ai sûr. Prénom, prénom, profession des parents. J'ai pas de stylo. Nom, prénom, profession des parents, on va le faire. Allez, dépêchez-vous. Si vous avez une idée... J'ai sûr, merci. Nom, prénom, profession des parents, prenez une demi-feuille. Oh, Montiel, fais ce que je te dis. C'est pas grave. Ceux qui ont pas de stylo, c'est pas grave. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Eh ben tant pis. Merci. Vas-y, viens, Myril. Extraordinaire. Alors, je vous le dis, nom, prénom, profession des parents. Si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, vous le mettez. Hein, c'est aussi simple que ça. Merci. Et nous allons commencer. Première question. Dans l'alphabet grec. Oh merde. Oh là là. Allez, je me barre. Dans l'alphabet grec. Alphabet grec. C'est une dictée ou c'est une question? Ta gueule. C'est clair. Dans l'alphabet grec, à quelle place se trouve Oméga? Oméga. On marque sur la feuille. Marquez sur la feuille. Merci. Ceux qui ne savent pas, bien sûr, laissent un blanc qui est libéré. Vous pouvez le laisser. Non, là, ça va. Deuxième question. Une question d'histoire. 1515, Marignan. Mais où se trouve Marignan? Répondez. Où se trouve Marignan? Dans le 15e. Allez-y, répondez. Après, je vais ramasser les copies. C'est sérieux, ça? Mathématiques. Oh là là, non. Là, ça se gâte. Pouvez-vous m'énoncer le théorème de Pythagore? C'est trop facile. C'est trop facile, allez-y. Pythagore. Déjà, je vous rappelle que ça commence par soit un triangle rectangle. Oh non, mais là... Ah oui, l'équipe. C'est bon? Triangle isocèle, bien entendu. Ah oui. D'accord. C'est bon. Quatrième question. Dictée. J'ai mis mes œillères. Mais t'es un ouf. Mais... J'ai mis mes œillères. Vas-y, ça s'écrit comment ça? Afin de ne pas voir ce qui me préoccupait. Oh là là. Un chevreuil. Un chevreuil. Ce qui me préoccupait. Oui. Oui. Point. À la ligne. Ça va trop vite. Un chevreuil. Un chevreuil. Un chevreuil. Pas ça. Sous mon auto. Mais il est con, hein. Le chevreuil, hein, pas vous. Calmez-vous. Pas ça sous mon auto. Et quelle ne fut pas ma surprise. Moi, j'arrête. Quand j'ai vu qu'en fait, doucement, c'était des poils de couilles. C'est quelle classe, là? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ramasse. Lâchez les stylos. J'ai pas écrit couilles. C'est parti. C'est seulement que je connaissais. Oui, c'est 5 millions. S'il vous plaît, je ramasse tout. Merci. La mienne. Il m'a mis une angoisse, là. Je vais corriger, je reviens dans un instant. Comme un prof. Ah oui, là. Tu marches comme un prof, t'es mort. C'est horrible, c'est tellement... J'ai corrigé les copines. Et alors, ça va vite. Catastrophique. Verdez. Ah la vache. C'est bien, Marignan en Italie, très bien. C'est bien. Votre père était éducateur spécialisé? Ouais, ma mère aussi. C'est vrai, les deux? Ouais. Très bien. S'occuper des enfants en difficulté comme moi. Non, mais du travail.
travail à la maison. Oméga est en 15e position de la Fabrique. Oui, j'ai répondu un peu au hasard. Non, jamais. Non, c'est jamais. C'est 20e, jamais. Non 23e. Jamais. Ah, bah moi, jamais, s'il vous plaît, je vous le dirai tout à l'heure. Italie, c'est bon pour Marignan. Bravo. Un triangle en rectangle. C'est, j'en ai, vous m'avez pas énoncé le théorème de Pythagore. Je ne connais pas. D'accord. J'ai mis mes œillères, hein, afin de ne pas voir ce qui me préoccupait. Un chevreuil, pas ça. Non, c'est pas, vous avez dit une Passat. C'est pas une Volkswagen qui est passée. Pas ça, ah. Pas ça, ah, et non oh pas là, AT. Oui, oui. Non, mais l'autre, c'est une Passat. C'est la longue. Eh, couille, aucune. Eh, couille au singulier, alors il n'y a qu'une couille. Non. C'est un mot de couille, le chevreuil, bah, bravo. Je mets pas la moyenne. J'ai oublié de pas mettre la moyenne. Je mets 7. 7 sur 20. Regardez. Oh là là, vous êtes dur, chef. Meilleur note que j'ai jamais eu. Castaldi, alors, c'est comme ses yeux, on voit rien. 17e lettre, c'est faux. Marignan, France, c'est pas en France, c'est en Italie. Je ne savais pas. Rien, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça sert à rien. Il sait rien. Les côtés opposés sont les mêmes. Ouais, sont égaux. Mais non, c'est nul. Zéro. J'ai mis les œillères. Ne pas voir qu'il me connaît. Je veuille pas ça. Sont pas mal en orthographe. Ouais, moyenne. Je mets 10. Ah, 10, il a répondu à rien. 10 sur 20, il a fait aucune faute alors qu'il a dictée. La dictée compte double. Ah voilà, voilà. Lâchez-le. Benaïm, tiens, vos parents étaient assureurs. Oui, mon père. C'est vrai ? À la maf ? Non. La Maïf, la Maf, AXA, non, hein? AXA. D'accord. Et vous voulez être animatrice plus tard? Oui, quand je serai grande. Je suis pas sûr que ce soit une bonne décision. Non, madame l'animatrice. Voilà. Marignan, oui. En France, mais non. Ils ont tous copié. 20, non. Soit un triangle. Non, mais foutez de ma gueule sur Pythagore. Elle a mis soit un triangle rectangle, etc. Les Benaïm, c'est honteux. Bah pour l'humour, quoi. Bon, c'est pas un poids pour par l'humour. Par contre, en dictée, les couilles au pluriel, très bien. Je vois que vous connaissez bien. Très bien. Je mets 10 également, comme Castaldi. Pour l'instant, il n'y a que Verdès qui n'a pas la moyenne. C'est qui ça? Parents, je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Alors, parents cheminots et... Lingerie. Lingère. Ma mère était lingère. C'est-à-dire ? Eh ben, elle avait le linge des gens. Ah, donc lingère. Lingère, c'est ce que ça veut dire. Et mon père cheminot. Cheminot. À la SNCF. Non, il contrôlait les billets. Chou-chou. Contrôleur, du coup. Ça, contrôleur. C'était un beau métier, je savais que c'était les cheminots de France. Ah, bien sûr, nous aussi, on les embrasse. J'aimerais. Et une autre riche que vous. Non, j'aimerais être plus riche que vous comme métier. C'est pas un métier. C'est pas un métier, ça. C'est une ambition. Bah, tu vas voir, je vais appeler Mélenchon, il va te casser la gueule. tu vois, ça te tartoudre. Tu vois, je vais le dire à Mélenchon, tu vas voir, mon tien. Calmez. Oméga 12, pas du tout. C'est pas une. C'est lui, Oméga. C'est pas une vitamine. Mais c'est con. Mais non, mais qu'est-ce que t'es con? Pas possible. Mais je sais. Marignan 1515 en France. Non, c'est Mélenchon. Ça commence par un triangle. Qu'est-ce que t'as mis sur Pythagore? Ça commence par un triangle et un octogone. Oui, ça finit. Ça commence par un triangle et ça finit par un rectangle. Ah ouais? Oui, donc on connaît. Ça va être l'histoire de ta carrière, ça. Chevreuil passa sous mon auto afin et qu'elle ne fût pas ma surprise. Et poil de couille, couille avec un S, c'était le piège. Bravo. Et très bon orthographe. 10 également, très bon orthographe également. Bravo. C'est sur 20. Oui, c'est sur 20. Oui, tu sais pas. Non, mais s'ils ont dit. Janton Guillaume. Aïe. Mère, boulangerie et striptease. Ma mère, elle avait une boulangerie qui s'appelait les Belles Miches de Gwendoline. Oh. Je suppose que votre maman s'appelle Gwendoline. Oui. Bah écoutez, bravo à elle. Elle faisait des fougasses. Oui. C'est Gwendo la gourmande. Ah non. C'est sa mère. Eh ben, on embrasse votre maman, qui a l'air très sympa. Kelly Vedovelli, ça va le téléphone? Oui. Je n'ai pas de téléphone en classe. Non, c'est ma mère, désolée. Ah, ok. Lolo. C'était son anniversaire hier, on dit rien. Elle m'a dit mon métier, c'est ça, 2 points. Je lui dis, je connais ton métier quand même. D'accord, très bien, très bien. Je vois que les parents s'intéressent à ce qu'on fait en classe. Merci aux parents et je vous rappelle qu'il y aura une réunion pédagogique mardi en 8. Hein?
million par relève. Aux côtés, bien entendu, d'un garçon qui viendra nous rejoindre. Sachez-le, c'est qu'un garçon que vous aimez beaucoup, qui était nous voir pour les dernières journées portes ouvertes pédagogiques, Patrick Bouillave. qui viendra nous voir, hein, qui viendra nous éclairer sur certaines connaissances historiques. Voilà, donc merci à Patrick, voilà, qui sera avec nous très prochainement, bien entendu. Alors, votre père tourneur fraiseur. Oui. C'est-à-dire qu'il fait des fraises. Oui, il tourne en même temps. Il tourne au milieu de fraises, oui. D'accord, très bien. Plus tard, je veux être milliardaire comme Cyril. Je t'aime. Je veux fonder une famille avec toi. C'est 18. C'est 18. Bien boire. Très bon élément. Un petit bon soudoyer le. Regardez. Et chérie, parlez-lui maintenant, est-ce qu'il va repartir en cuisine juste après? C'est pas les gars dans Top Chef, normalement ils vont frérot, si vous voulez commander quelque chose dans le public, même chez vous, n'hésitez pas, il fait de délicieuses omelettes norvégiennes. C'est un beau cadeau qu'on m'a fait. C'est un beau cadeau qu'on t'a fait. Si j'achète les boîtes avec des aiguillettes de poulet, il y a des magnets dedans. Ouais. Et quand vous les avez tous, vous gagnez ces chaussures-là. C'est très bon. Allez, allez vous asseoir. Merci. Ah, Maillet Géraldine. Tiens, comme par hasard. Qu'est-ce que j'ai fait? Maillet Géraldine qui nous a rejoint l'année dernière. En classe de 3e de B, elle était, vous le savez, avec M. Michaud au 4e. Que j'embrasse, d'ailleurs, c'est un collègue qui est parti sur Sergi Pontoise et qui a bien du mal à faire apprendre les élèves sur certaines notions d'algèbre. Allez. Votre maman est radiologue? Oui. Votre père, point d'interrogation? Voilà. D'accord, il est dans qui est-ce voilà, il est parti il y a très longtemps. On l'embrasse. Bah oui, enfin, pas moi, mais vous aussi. Ouais, c'est vrai, là j'ai mis le doigt, il fallait pas mettre moi l'interrogation, papa. Voilà. Voilà, donc votre maman est radiologue. J'adore. Ouais. J'adore la radio. Ouais. Skyrock. Elle lit sur vos lèvres. Ah, c'est vrai. Ouais, tout le temps. Elle lit sur vos lèvres. Tous les soirs, elle lit sur vos lèvres. Non, c'est vrai, bah, je l'embrasse. Comment s'appelle-t-elle? Dominique. Dominique. Dominique, je suis très content du premier trimestre de Géraldine. On se verra de toutes les façons lundi en 8 pour les journées portes ouvertes au lycée Pierre-Saint-Charles. Alors, Marignan. J'ai mis France. C'est pas en France, c'est en Italie. Parce que j'ai copié sur Valérie et je voulais surtout que Guillaume se plante. Vous copiez d'ici. Très bien. Non, c'était, là, c'était Italie. La somme des deux carrés. AB au carré plus AC au carré égale BC au carré, j'accepte. Ah, c'est la seule. De l'hypoténuse. De l'hypoténuse. L'hypoténuse. Ouais. Bien entendu, je n'ai pas d'oreille, vous pouvez vérifier. Hein. Non. Ça, on sait que là-dessus. Voilà, on s'en s'il vous plaît, merci. Hein. C'est peut-être voilà. On n'est pas là par hasard. Ça tombe pas du ciel. Hein. Non, mais je vous le dis, ça tombe pas du ciel, on n'est pas là par hasard pour ceux qui nous rejoignent, bien entendu. Hein. J'ai mis mes œillères, enfin. Je vois pas les couilles. Bah, les couilles, j'ai pas eu le temps de les mettre. Moi non plus. Ah oui, bah c'est comme Brémond. Ah oui, non, alors, et attention. Hein, ouais, les couilles, c'est pas passé. Alors, en revanche, vais, Omega, c'est la 23e lettre. Je vais mettre la moyenne pour. Plus. Pour j'ai Pythagore. Fait un bonus pour Omega. Pour Omega. Non, merci. Moins que Guillaume, du coup. Oui, Guillaume a la meilleure note pour l'instant avec 18. Guillaume a la meilleure note pour l'instant avec 18. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à 18h56, donc je ne sais plus l'horaire. Nous sommes en pleine interro surprise avec les chroniqueurs. J'ai décidé de leur faire une interro surprise parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'endormir sur leur laurier. Et je vais vous le dire. Pas peur de vous le dire. Donc vous serez tranquillement en train de bûcher cette idée, moi je serai les doigts de pied en éventail sur une chaise. Hein? C'est là maintenant qu'il faut mettre le dernier coup de collier. Enfin, le brevet ne va pas tomber du ciel. C'est bon, ça. Et tu en sais quelque chose, Verdez? Ouais. Cette semaine en plus. Abou Raymond. C'est quoi? Maman retraitée, papa chauffeur livreur, on les embrasse. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous n'avez pas mis? Ouais, j'ai oublié. Ah oui, nous aussi, on m'a oublié. J'avais le stress. Alors ouais. J'avais le stress. Ce qu'il veut faire plus tard, ce comme vous, moi, j'aimerais bien être milliardaire. Oh. Bah, il va avoir 18, du coup. Non, c'est pas ça qui a fait mettre 18. Ah oui, c'est vrai. Il veut fonder une famille avec moi. Moi, non. Voilà. Ah oui. Non, je veux pas fonder de famille avec vous. Oh, je vous aime beaucoup, mais...
Imaginez la tête des gamins. Ça c'est pas gentil. Après tout ce que j'ai fait pour vous. On a un gamin ensemble, c'est le kiki de tous les kikis. Vous voyez les petits trucs là? Non mais sans déconner, c'est un kiki. On sort, il y a un kiki qui sort de sa toche. Allez. Excusez-moi, c'est pas ça. L'autre, elle fait la choquette. Oh ah, et genre, elle veut. Oh non, mais alors moi, je ne resterai pas une minute de plus. Allez, donc. Tu sais que vous êtes en grosse difficulté dans cette école. Bon, non, je me sens bien. Marignan, rue Le Courbe, dans le 15e. C'est un tabac, il m'a dit, c'est un tabac. C'est un tabac, rue Le Courbe, dans le 15e. Fais l'angle. Fais l'angle. Moi aussi, vous allez faire l'angle. AB3 plus Oméga 8. Ça, c'est ton truc de Pythagore, là. Hein? Tu m'as demandé un truc, vous avez demandé un truc. J'avais arrêté l'école à quel âge? 15 ans. J'ai mis MIT. Ça va. J'ai mis. J'ai mis. Le mec a des mythes. Ah, non, mais c'est horrible. Qui me. Et un chevreuil passa sous mon auto. Et ma surprise, vous avez arrêté ma surprise. Ouais, mais vous allez trop vite aussi. Bah, c'est peut-être vous qui allez trop lentement. J'ai pas le temps d'écrire, moi. C'était le stress. Hein? Voilà. Bon, stressé aussi. Je suis obligé de mettre 3. Oh, non, non, non. Ah oui, oui. On est sur les très mauvais élèves de la classe. Mais je vais redoubler. Oui, vous allez redoubler. Ça va l'encourager. L'année prochaine, t'es avec Castagny. Hein. L'année prochaine, t'es avec Castagny en redoublement. T'es avec le prof Castagny. Mais vous allez faire moins des lacans. Je vais arrêter l'école. Ouais, vous m'emmenez dans une voie de garage, là. Daniel Moore. Ah, voilà. La meilleure élève. Non, parce que c'est maths. La doyenne. Non, pas de la classe, mais de l'humanité. Daniel Moreau, 102 ans, encore en troisième. Comme le mec dans les sous-doués, tu sais. Sans plus. Je me doutais bien, profession des parents retraités, je ne pensais pas que vous alliez me mettre ma maman est prof de sport, non mais j'aurais aimé. Ah, votre profession pour plus tard, meuf à Cyril. Ouais. Ah. Ouais, c'est des mots, c'est pareil que Guillaume, c'est comme la meuf à Tony. C'est comme la meuf à Tony, exactement. Ouais. Non, mais c'est émouvant. C'est presque comme la meuf à Tony. Vous n'abonnez pas, chef? Non. Dernière place, W, méga en grec, n'importe quoi. En Italie, bonne réponse. C'est la dernière place, non, c'est la dernière lettre de l'alphabet, l'oméga. Ouais. Dernière place. L'alpha et l'oméga. Eh, mais je crois qu'elle a un sans faute. Non, en non, Italie, Pythagore, c'est non. Pythagore, elle a, vous avez séché sur Pythagore. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Pourtant, vous n'êtes pas sorti avec lui à l'époque. Vous avez connu, pourtant. On parlait d'autre chose que maths. C'est ça, bah oui. Hein, il a vu votre beau triangle d'or. Oh. Triangle équilatéral. J'ai mis mes œillères afin de ne pas voir ce qui me préoccupait. Très bien, chevreuil passa sous mon auto. Quelle ne fut pas. La boulette. La boulette. La boulette, elle est là. C'était des poils et vous avez mis de quoi? De rien. Bah, j'ai pas eu le temps de m'intéresser aux couilles. Bah, c'est, c'est un petit peu l'histoire de votre vie. Kelly Vedovelli, tiens. Ah. Elle a pas de note, elle a les... Ah oui, elle a pas de note, Daniel. Ah oui. Daniel, non, j'ai mis 14. Ah ouais. 14. Elle a répondu à rien. Si. Pour Omega et en Italie. Allez, voilà. Bon, Omega, vous m'avez rien mis. Hein. Mais elle a pas fini la dictée. Bah oui, mais bon. C'est quoi ce prof? Elle a 14. Avec la dictée comptait double. Ouais. Pardon, vous avez qu'on dit qu'on veut un enfant de vous, on a 14. Oui. C'est ça. Ah, le prof. Votre maman est AVS. Oui, elle s'occupe des bébés autistes à la maternelle. Bon, on lui fait des bisous. Bravo. Très beau métier. C'est bien. Ouais. Et votre papa est retraité. Ouais. On l'embrasse également. 14, c'est quoi? 14, c'est Omega? Ouais, exactement. Non. Non, c'est faux. Ça, ouais. Ah bon? Marignan est en Allemagne. Ouais. Ça sonnait allemand, je trouvais. Enfin, Marignan, c'est en Allemagne. Et je mets une Marignan. Ça passe. Et je mets une Marignan, une Schwimba. Vous avez remarqué, les Allemands, on a toujours l'impression qu'ils sont vénères. Ouais, ils disent maintenant, ils disent des trucs très sympas. Ils disent, je voudrais du pain. Non, mais c'est vrai, le gars, il est allemand. C'est les langues culturelles. Moi, j'adorais regarder les films un peu érotiques en allemand. Ya, 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 ya. Birgit, Was ist das? Ist eine Schatte, ja. Was ist das? Dieter, komme hier. Eine Schatte, eine Schnecke. Gute Schnecke. Oh, Birgit, gute Schnecke. C'est incroyable.
Je ne chenais que. Oh, Birgit. Vous en avez vu beaucoup, hein. Angela, come, come. Chabe, une chenne, je chenais que. Je n'ai que. Bon, allez. On se ressaisit. Assez rigolé. Je vous rappelle que Jean-Pierre Bouillard, notre conseiller d'éducation, va nous rejoindre dans un instant. Pythagore, deux fois pi fois r. Bah oui. Non, c'est un rayon, ça. C'est n'importe Pythagore, quoi. Pythagore, allô. Non, non, il n'y a pas d'allô, il n'y a pas d'au revoir. Pythagore, c'est pas du tout ça. Bah, c'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est à mon avis, c'est le rayon. Il est parlé du rayon. C'est l'air, rayon. L'air d'un cercle. Exactement, l'air d'un cercle. Bah, j'ai quand même bon. L'air du cercle, ça n'a rien à voir. J'ai une bonne formule. Vous allez avoir une très belle formule, vous allez voir. 8,50€ en face au balto. J'ai mimé. J'ai mimé ? Non, mais j'ai mimé. Un cheval, c'est pas un cheval, c'est un chevreuil. Vous voyez vraiment un cheval passer sous une voiture ? Non, mais sans rien, tu crois qu'il y a un gars, il est comme un, c'est pas sous une voiture, mais c'est un chevreuil. Quand on connaît pas l'orthographe, on remplace les mots. Mais là-bas, mais tu vois un cheval passer sous mon auto ? Qu'est-ce qu'elle a comme auto ? Pas possible. Et l'autre, il pas une Jeep, mais cette classe, je vais arrêter avec vous. Ça va être aussi simple que ça. Vous allez retourner. Avec Madame Bijaoui en croisière de mer. Ça va pas faire un pli. En même temps, admettez que c'est astucieux. Elle connaissait pas le mot, elle l'a remplacé par un autre. Il n'y a pas d'astuce ici. Il faut jamais laisser un blanc, elle a rempli. Calmez-vous, avec votre note, faites-vous tout petit. C'est bon, s'il vous plaît. Quel est devenu ? Je mets un. Je mets un. Il suffit. Okay. Je mets un pour l'encre et la feuille. Bah oui. Hein, et ça méritait zéro. Oh. Et donc le meilleur élève, c'est Janton. Bah, le meilleur élève est Guillaume Janton, tout simplement parce qu'il veut un enfant de moi. Voilà, merci. Et ça, je vous le dis. Hein. Ça va servir. Vedovelli et Abou, vous viendrez boire à la fin du cours. Je vous mets en cours du soir. T'es sûr? Avec Monsieur Pilocchini. les deux qui n'ont pas le bac. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est fou. Les deux qui n'ont pas le bac, on a tenu notre réputation. Mais c'est fou, hein, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Tiens, lui, il a fait beaucoup d'études. Oui. Bah, ça n'empêche pas d'être con comme une bite.